Bonjour, nous sommes ici sur le toit du Forum des sciences où on avait placé deux ruches depuis 2 ans et on va extraire, faire la récolte du miel de ces deux ruches. Donc, maintenant je vais enfumer un petit peu les abeilles pour les adoucir, comme ça je pourrai extraire les os tranquillement. Je vais donc ouvrir le toit de la ruche. Je vais ouvrir le toit de la ruche. Elles sont bien parties, les abeilles. Je vais donc enlever la première os. Je vais enlever la première os. Je vais la déposer un petit peu à l'extérieur afin que les abeilles ne viennent pas s'approvisionner à leur tour. J'ai mis des ruches sur le toit. Et avec ces abeilles-là, donc on a fait une belle récolte. Oui, mais les abeilles, elles ne sont pas compliquées. Ah non, pourquoi? Parce que je suis là. Voilà, j'ai une combinaison, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut les enfumer un petit peu pour que. Un petit peu, voilà. Non, et ils vont se calmer, et une fois qu'ils sont calmes, ils vont pas piquer. Voilà. Là, je fais une extraction de miel. Et ça doit tourner pendant combien de temps? Ben, moi, je vais voir si c'est aléatoire. Ça peut tourner un peu plus. 15 minutes. Bon, je vais ramener mon petit seau et je vais le mettre en dessous. Je vais laisser un petit peu comme ça. Il est plus clair celui-là. Est-ce que les visiteurs montent voir les abeilles? Alors, les visiteurs ne montent pas voir les abeilles directement, sauf dans quelques événements, notamment la journée du patrimoine, où on les emmène juste derrière la porte. Quand est-ce que les visiteurs peuvent rencontrer l'apiculteur? Alors, régulièrement, parce que l'apiculteur habite tout près d'ici, à 5 minutes à pied, donc il vient régulièrement au Forum départemental des sciences. Et comme il vient toujours avec sa tenue, la vareuse, on le voit d'assez loin, et du coup, le visiteur est interpellé, en fait, quand il vient ici pour faire les entretiens des ruches. Sinon, à l'occasion de certains événements, notamment la journée du patrimoine, où on a fait une dégustation du miel de cette année, de la récolte de cette année, de l'année dernière, et lors de divers événements dans le cadre de l'extraction du miel qui se fait souvent en juillet ou en août. Qu'est-ce qui est produit à partir des ruches? Alors, déjà le miel. Après, il y a du propolis qui est le nectar de la gelée royale. Qui sert notamment à nourrir la reine afin qu'elle puisse pondre pour pouvoir créer des nouveaux essaims, pour pouvoir renouveler les ruches tous les ans. Ensuite, après, on met des crèmes, des produits de beauté, des savons, au pollen, à la gelée royale. Et après, nous, quand on fait des événements, on crée des bougies en cire d'abeille qui sont faits à partir de la cire d'abeille, voilà. On chauffe et qu'on manipule et qu'on transforme en bougie. Voilà, il y a plein de produits qu'on peut faire avec la production des ruches.